Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler de ménage de printemps. Et oui, les beaux jours arrivent, on a envie vraiment de respirer, d'ouvrir les fenêtres, de réorganiser un petit peu sa maison, de ranger, de la nettoyer et de la faire beaucoup plus agréable que tout ce côté confiné qu'on a dans l'hiver. Enfin voilà, je vous montre donc les étapes que je fais pour mon ménage de printemps. Donc je commence tout d'abord à réorganiser mes placards, c'est-à-dire qu'en fait dans chaque pièce, je vais un petit peu ouvrir mes placards, je vais voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et je vais commencer par faire du tri. Donc je vais déjà tout sortir, je regarde ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai plus besoin, soit je le recycle, soit je le donne ou le vends ou alors je le jette. Et ensuite donc j'en profite pour réfléchir si mon organisation et mon rangement est pratique. Donc si c'est pratique, je le laisse comme ça. S'il y a des choses que j'ai à améliorer, mais dans ce cas-là, je repense mon rangement et je le fais différemment. Ensuite, étant donné que je sors tout, j'en profite pour nettoyer l'intérieur des placards. Au niveau de la salle de bain, je vide mes paniers, je les nettoie, je regarde un petit peu au niveau des produits, ce qui a terminé et pas terminé. Je termine donc mes produits, je jette éventuellement ceux qui pourraient être périmés. Et du coup, je vais renouveler aussi les produits un petit peu plus printaniers, un peu plus pour l'été, puisque je vais les adapter. Et en ce qui concerne justement mes placards de salle de bain, ben pareil, je range, je nettoie bien dessous toute la poussière qui aurait pu s'accumuler, même si j'essaie de le faire régulièrement. Je trie la pharmacie, je regarde un petit peu les médicaments qui sont périmés, je les ramène à la pharmacie pour les recycler. Je sors mes draps et mes draps un peu plus hiver, je les mets au fond. Je fais pareil avec mes placards, donc là je vous montre pas parce qu'il fait pas assez chaud, je les ai pas encore sortis. Mais du coup ce que je fais, c'est que je range, je sors mes affaires d'été, je commence à sortir mes affaires de printemps, je range celles d'hiver et je trie et donc je revends. Moi je revends sur le site de Vinted, je sais pas si vous connaissez, et ça marche pas mal et j'aime bien ce site, donc ça me permet un petit peu de me faire 4 sous pour renouveler ma garde-robe. On passe maintenant au nettoyage du frigo. Alors je vais pas vous montrer en détail ce que je fais, mais j'aime bien en fait un petit peu vider le frigo, regarder un petit peu ce que j'ai dans mon congélateur, le dégivrer et du coup faire un petit peu de vide et bien le nettoyer. Alors si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment je nettoie mon frigo, comment je dégèle mon congélateur, voilà tout simplement. Donc ça permet un petit peu de le nettoyer en profondeur, même si j'essaye quand même de le faire régulièrement pour parce que le frigo c'est un endroit qui récolte énormément les bactéries. Donc je passe maintenant au tissu, je vais laver ce que je peux laver et j'assainis ce que je ne peux pas laver tout simplement. Donc là je commence par le canapé, j'enlève les plaids, je déhousse les coussins, je les mets à laver. Et ensuite je prends une éponge propre que j'humidifie en fait avec de l'eau et je le passe en fait sur le canapé pour un petit peu nettoyer, enlever la poussière. Si vraiment vous avez des taches, je vous conseille d'utiliser le savon détachant de la compagnie du bicarbonate et de rincer ensuite après, de laisser sécher et ça nettoie très bien. Voilà, vous avez également la possibilité d'assainir en mettant un petit peu de bicarbonate, en laissant agir et ensuite en aspirant votre canapé. Je passe maintenant aux rideaux, j'aime bien changer mes rideaux, je les lave et je mets de nouveaux rideaux avec des couleurs un peu plus printanières on va dire, et ça me permet un petit peu de changer la déco, mais je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. «
Donc je n'oublie bien sûr aucun rideau, moi j'en ai dans la cuisine, j'en ai dans les chambres, donc j'enlève les rideaux et je les mets à la machine à laver. Et puisqu'on parle de fenêtres, on en profite aussi pour faire toutes ces baies vitrées, toutes ces vitres à fond, faire aussi les encadrements. Mais je vous montre pas plus que ça puisque je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée au nettoyage des vitres, puisque j'ai de nouvelles techniques à vous montrer. Voilà, alors on n'oublie pas non plus ces plantes, hein. Ces plantes il faut les bichonner, donc moi déjà je les dépoussière, ensuite je les arrose, vous pouvez les rempoter, refaire votre déco, enfin vraiment faites ce que vous voulez mais pensez à vos plantes. On passe maintenant à la chambre, donc là je vais enlever vraiment tout ce que j'ai sur le lit, je vais enlever les couettes parce que du coup on n'en a plus besoin, je vais changer les draps, je vais changer la housse de couette et je vais mettre une housse de couette un petit peu plus printanière, donc vous ne le verrez pas maintenant parce que je ne l'ai pas encore fait mais je le ferai plus tard parce qu'il ne fait pas encore très très beau finalement lorsque je vous fais la vidéo. Et j'en profite, donc je retourne mon matelas, je fais un petit peu du nettoyage, j'assainis mon matelas, c'est-à-dire qu'en fait je le saupoudre de bicarbonate, je le brosse un petit peu pour bien que le bicarbonate pénètre dans les fibres, ça va vraiment aider en fait à assainir, à enlever les acariens. Je le laisse agir toute la matinée, voire même une ou deux heures. Ensuite, j'aspire avec l'aspirateur, donc le restant de poudre. J'assainis avec un spray à l'huile essentielle de lavande mes draps, mes coussins et aussi mon matelas. Et ensuite, je refais le lit tout simplement. Voilà. J'en profite également pour faire donc la poussière pour tout ce qui est dessous de lit, enfin je vous en parlerai tout à l'heure. J'en arrive maintenant à la buanderie. Donc la buanderie, on n'y pense pas souvent, mais vous voyez au niveau du bac à lessive, souvent c'est sale. Au niveau des joints, dans le tambour, on a des peluches qui se sont incrustées. Donc ce que je fais, c'est que je prends du vinaigre blanc, ou je prends donc la bracarbonate pour les plastiques, et je frotte, et vraiment je nettoie, j'enlève un petit peu tout. Je fais tourner ma machine à vide avec du bicarbonate, ou des cristaux de soude, ou alors du vinaigre blanc, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ça va désinfecter, ça va un peu désincruster les tuyaux et ça fait du bien. Vous pouvez le faire également pour la vaisselle. On passe maintenant à l'extérieur. Donc là, vous voyez, bon, j'ai pas grand chose, j'ai pas un grand extérieur non plus, mais je vais un petit peu faire de la propreté. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon éponge avec de la bracarbonate, je commence à frotter les plastiques, à les faire un petit peu revenir. Donc ce produit-là, je vous en ai parlé dans une vidéo spéciale, donc n'hésitez pas à le regarder. Ça fait vraiment revenir tous vos plastiques. C'est vraiment un bon usage pour l'extérieur aussi, comme pour l'intérieur. Je secoue mes fauteuils, voilà, je fais de la poussière, je range, je rempote. Et ensuite, j'ai un balai et une pelle spéciale pour l'extérieur. Donc, j'enlève un petit peu toutes les saletés, les brindilles, le pollen. Et je nettoie un petit peu l'extérieur. Voilà, là, j'ai pas planté de fleurs, mais vous le verrez plus tard dans une autre vidéo. Voilà. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo. Bien sûr, j'ai encore quelques petits détails à vous donner. Ne pas oublier de dépoussiérer les luminaires, les plinthes, d'enlever la poussière sous les meubles, sous le lit, de pousser vos meubles si vous en avez la possibilité, d'aspirer derrière également, de nettoyer avec un nettoyeur vapeur vos tapis, de penser à nettoyer vos électroménagers, c'est-à-dire la cafetière, de bien nettoyer aussi le lave-vaisselle, la machine à laver en les faisant tourner à vide avec des cristaux de soude, du bicarbonate, vraiment pour désinfecter tout cela. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.